Cyril Hanouna, Yann Barthès n'a pas de couilles et représente tout ce qu'il n'aime pas. Donnez-moi le nom d'un grand animateur que vous ne pouvez pas saquer. Jeudi 22 mars, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna n'a pas hésité une seconde avant de répondre à la question de son chroniqueur Mathieu Delormeau. L'animateur de TPMP a listé quelques grands noms du PAF avec qui il a eu des relations compliquées mais avec qui les choses se sont finalement arrangées, avant de tacler sévèrement Yann Barthès qui officie chaque soir face à lui sur TMC avec son émission Quotidien. Je l'exècre, a-t-il assuré, avant d'expliquer pourquoi, Laurent Ruquier, on était fâchés mais je l'aime beaucoup et j'ai appris à le connaître. Arthur, ça va mieux, je travaillais avec lui, j'étais son stagiaire, on a eu des relations qui étaient compliquées mais ça va mieux, a confié Cyril Hanouna. Mais Yann Barthès, il a tout ce que je n'aime pas, a-t-il concédé, indiquant qu'il ne le trouve pas courageux. Il balance quand il est à l'antenne, et quand tu es devant lui, il se retourne. C'est tout ce que je n'aime pas, moi, j'aime les mecs qui ont des couilles. Malheureusement, il n'en a pas, a conclu le présentateur vedette de C8, l'inimité entre les deux animateurs ne date pas d'hier. Après avoir proposé à Yann Barthès un café pour qu'ils se rencontrent, une proposition que ce dernier a refusée, Cyril Hanouna attaque régulièrement le présentateur de Quotidien dans TPMP. En juin dernier, l'animateur de C8 avait, par exemple, ironisé sur les faibles audiences de Tiff Show sur TF1, en parodiant le programme de Yann Barthès. Plus récemment, Cyril Hanouna avait diffusé un magnéto sur les bégaiements intempestifs de son concurrent. Il n'est visiblement pas prêt de s'arrêter là. Commentez, partagez cet article sur le même sujet.